Bonjour et bienvenue sur la seconde vidéo sur la création de notre chaîne YouTube. Dans la vidéo précédente, on avait pu créer notre chaîne, voilà, qui est là. Et je vous avais promis de faire une configuration qui va vous permettre d'avoir non seulement les vues, et ça va vous permettre de monétiser vite fait votre chaîne YouTube. Voilà. Maintenant, première chose à faire, c'est d'aller au niveau de paramètres. Voilà, maintenant là, bon, là c'est pas trop important, ça c'est l'unité. Bon, nous, vu qu'on est au Sénégal, on va utiliser le soft. Comme ça, là, il va vous donner, une fois votre chaîne monétisée, bien sûr, il va vous demander, par exemple, il va vous montrer l'argent en CFA, voilà, pas en euros. Vous aurez, en tout cas, des informations sur l'argent que vous gagnez. Ensuite, vous allez cliquer sur chaîne. Maintenant, sur chaîne, vous allez sélectionner votre pays. C'est important. Par exemple, si vous, il faut, comme on le dit, des fois, on suggère vos vidéos à l'extérieur, ou bien, en tout cas, si vous parlez Wolof, imaginons vous parlez Wolof, on suggère votre présent, vos vidéos à l'extérieur, c'est pas trop intéressant. Il va falloir travailler déjà en local et, en tout cas, aller à l'extérieur. Mais là, on va donner des références par rapport à notre pays de résidence. Voilà. Et là, c'est les mots-clés. Par exemple, on veut que, par exemple, si quelqu'un tape Baye, n'est-ce pas? Et Ignace, les mots-clés de notre chaîne. Gicre, n'est-ce pas? Aïda, n'est-ce pas? Faye, par exemple. Ibrahima, on sépare par des virgules. Hein? Ibrahima, voilà. Mohamed. Voilà. Baye, présent, Ngom. Voilà. Voilà. Là, vous pouvez noter jusqu'à 500 caractères. Actuellement, on a juste fait, présent, on va faire Ndiogo. Ndiogo, présent. Ndiogo, Afia. Voilà. Exemple, Ndiogo, Afia. Voilà, en tout cas, la liste est vraiment longue. Vous pouvez utiliser des termes, on peut dire même Faidou, présent, Zakir, voilà, Baba, présent, Baba Lamine, voilà, etc., etc. Après, de toute façon, vous prenez votre temps pour vraiment ajouter toute la configuration nécessaire pour avoir ce que vous voulez. On est d'accord. Voilà. Maintenant là, vous allez passer à la configuration suivante qui est paramètres avancés. Là, il faut le définir comme étant non, ne pas définir cette scène comme conseil pour les enfants. Voilà, c'est important. Parce que là, ça va vous permettre, vous, en tant que YouTuber, de ne pas, en tout cas, suggérer, parce que ça, c'est pas des vidéos pour les enfants. C'est pourquoi là, il va falloir le définir dès le début. Comme ça, vos vidéos ne sont pas vues par les enfants. Et aussi, par exemple, il y a certaines vidéos, dès lors que vous le réduisez, il se met en pause. Si vous activez celui-là, vous n'aurez pas ce problème. Voilà. Maintenant, là, le reste, moi, je pense que c'est tranquille. Bon, pour ce qui est titrage, ça, c'est pas trop important. Ce qui est important ici, c'est ça. Voilà. Non, ne pas définir cette scène comme conçue pour les enfants. Ensuite, là, c'est la partie que je vais traiter dans la seconde. Bon, ou bien je le fais juste ici. Là, je vais demander mon numéro de téléphone, par exemple. Je vais le valider avec mon numéro de téléphone. C'est ce qu'on appelle double authentification. Bon, on patiente un peu. Maintenant, là, après, je vais sûrement casser mon numéro de téléphone. Voilà, je vais faire, par exemple, c'est au Sénégal. Donc, ce sera 21, 78, voilà,
Voilà, maintenant, obtenir. Maintenant, il va m'envoyer un code. Voilà, maintenant, je patiente. Voilà, le code, je l'ai reçu. Hein. Voilà. Je vais renseigner le code. Cette partie-là, vous avez deux méthodes pour le faire. Mais je préfère, bon, faites-le avec celui-là. Je pense que ce sera plus simple pour vous. Comme ça, on n'aura pas à revenir sur là-dessus. Voilà, maintenant, c'est OK. Double authentification activée. Ça là, si vous ne le faites pas, il n'est pas possible de monétiser votre chaîne. Il faut que toutes les trois là soient activées. Voilà. La même manière ici aussi, on accède là. Une utilisation, voilà, c'est à vous de voir. En tout cas, la partie que vous voulez. Il dit utiliser la vidéo, la validation de vidéo, utiliser les pièces ou bien développer l'historique de votre chaîne. Nous, on va prendre utiliser la validation de la validation vidéo. Maintenant, dans cette partie-là, on va recevoir un mail via notre Gmail. Voilà, je vais ouvrir à côté mon mail. Voilà. On patiente. Voilà, en tout cas, rien n'est compliqué. Si vous avez juste des problèmes, n'hésitez pas à me le faire savoir au niveau des commentaires, comme ça serait un plaisir de vous guider. Voilà, maintenant là, on vient juste de recevoir le message. Il est là. Je vais cliquer là-dessus. Et là, je vais lancer la validation. Voilà. Maintenant là, bon, je peux scanner par téléphone et pour avoir, en tout cas, la chose en main. On est d'accord. Moi, je vais passer de ça juste pour vous montrer comment on fait. Vous, vous scannez pour continuer. Voilà. Là, au niveau des paramètres de mise en ligne, bon, c'est-à-dire quand vous mettez une vidéo en ligne, par exemple, je veux, par exemple, à sa fois qu'il m'affiche, par exemple, Instagram. Voilà, Instagram. Ensuite, bon, là, vous allez mettre votre lien d'Instagram. Comme ça, vos abonnés, s'ils veulent vous contacter via Instagram et tout ça. La même manière, TikTok aussi, s'il y en a. Voilà. En tout cas, vous allez faire les éléments qui ne vont pas changer. Ils vont se trouver au niveau de la description. Dès lors que vous voulez publier une vidéo, directement, vous allez vous rendre sur publication et les informations qui sont déjà définies, vous allez le retrouver. Ça va vous éviter de ne pas tout le temps répéter ces éléments-là. Voilà. Des fois, c'est pratique. Des fois, il y a des choses qui ne changent pas. Voilà. Vous pouvez faire ça et le définir une bonne fois pour toutes. Et là, par exemple, il va être en public. Et là, vous pouvez mettre des tags. Les tags, c'est comme les chaînes de caractères qu'on avait mis ici. Exemple, c'est comme les mots-clés qui étaient là. La même chose, on va dire, chaque vidéo, il y aura, par exemple, ces tags-là. Voilà, parce que celui-là, c'était pour la chaîne YouTube. Par exemple, si quelqu'un tape ces éléments, qu'il puisse voir votre chaîne. De la même manière aussi, quand une personne tape, par exemple, ces valeurs-là, c'est-à-dire les mots-clés, qu'il puisse voir vos vidéos. Voilà, parce que la chaîne YouTube héberge les vidéos, mais les vidéos aussi, c'est quelque chose de... Voilà, d'importance. C'est, par exemple, il y a certains, ils vont faire une recherche et filtrer surtout par vidéo. Voilà, donc c'est important des fois aussi de mettre ça ici. Maintenant, je vais faire Aïda. Voilà. Ngom. Voilà. Ndiogu. N'est-ce pas? Afia. Voilà. Ibrahima. Mohamed, maintenant Sissé, Mahi, voilà, maintenant là, une fois les mots clés effectués, vous allez cliquer sur un, c'est bon, là je vais revenir ici, ouais, maintenant à chaque fois que vous voulez, là, Facebook. Après, peut-être vous aussi, vous allez
rajouter vos liens vers Facebook. Comme ça, vous n'aurez plus à les modifier. Voilà, tout en lorsque vous publiez, vous n'avez plus besoin de copier le lien pour venir ici. Bon, là, moi, j'ai pas touché. Voilà, j'ai pas touché ici. Je vais continuer. Là, la plupart du temps, on laisse comme ça. Par exemple, si vous avez d'autres invités, c'est-à-dire d'autres chaînes, d'autres personnes qui peuvent ajouter des vidéos sur votre chaîne YouTube, vous ajoutez juste leur lien ici, etc. Voilà. Maintenant, là, cette partie-là est terminée. On peut enregistrer. Voilà, ça, c'est la première partie, la partie configuration. Vraiment, c'est important. Cette partie-là, il va falloir vraiment, surtout les tacs, il va falloir le mettre. C'est important. C'est très même important. Maintenant, on va aller sur personnaliser. Maintenant, sur personnaliser, en général, ce qui est plus important ici, c'est quoi? La bande annonce. La bande annonce, c'est une petite vidéo de 30 secondes qui résume un peu ce que votre vidéo, en tout cas, ce que votre chaîne réalise. Maintenant, si vous ne l'avez pas, vous pouvez juste sélectionner une vidéo qui se trouve déjà sur la chaîne YouTube et vous le mettez ici. Voilà. Et là, je vais ajouter les vidéos les plus populaires. Comme ça, il sera après les vidéos. Par exemple, je vais les mettre juste en haut. Voilà. Comme ça, la chaîne, dès que vous entrez là-dessus, vous aurez les chaînes, les vidéos les plus populaires. Voilà. Aussi, si vous êtes en direct, si vous avez des directs à faire, vous pouvez les mettre comme ça. Les utilisateurs, en tout cas, vos abonnés n'auront pas à chercher. Les lives, voilà, en quelque sorte. Maintenant là, la section qui est là, par exemple, c'est pour voilà. Maintenant, comme je l'ai dit là, c'est pour ceux qui ne sont pas, pour les abonnés. Là, c'est quand la personne n'est pas encore abonnée. La vidéo que l'utilisateur qui est déjà abonné est la vidéo que l'utilisateur, c'est-à-dire là, si l'utilisateur n'est pas encore abonné, là, vous allez présenter une vidéo qui va lui inciter à s'abonner à votre chaîne YouTube. Par contre, si c'est le deuxième, là, vous allez juste maintenir le gars là, voilà. Parce que vous l'avez déjà convaincu, il est déjà abonné. Donc là, vous pouvez mettre n'importe quelle vidéo et normalement, ça va passer. Voilà, maintenant, à ce niveau, on va gérer les bannières. Les bannières, c'est les images de fond que vous allez voir. Bon, nous, on n'a pas préparé ce genre d'image-là. Bon, normalement, l'image doit être en 2048 sur 1152. Bon, si vous maîtrisez Photoshop, vous pouvez aller là-bas, faire une petite découpe, venir l'importer ici. De la même manière ici, c'est une petite image que vous verrez au niveau de YouTube. Ici, maintenant, si vous maîtrisez aussi Photoshop, vous pouvez venir ici faire le travail. Tout sera tranquille. Voilà. Maintenant, information générale. Maintenant, au niveau de l'information générale, vous allez retrouver le nom de votre chaîne YouTube. Maintenant, si vous voulez vraiment modifier le nom de votre chaîne YouTube, c'est ici que vous allez le mettre. Le nom de l'identifiant aussi. C'est là. Maintenant, là, vous donnez une description de votre chaîne YouTube. Par exemple, je vais dire ma chaîne YouTube, par exemple, vous propose des zikr nyasen, n'est-ce pas? Des zikr nyasen. Des compilations, des zikr, par exemple, compilation gamou, virgule, conférence et cérémonie religieuse. Voilà. Par exemple, là, ça va permettre à YouTube, par exemple, donc je vais aller l'aise, parce que Zikr n'est pas français, raison pour laquelle il le souligne comme ça. Voilà.
Maintenant là, comme je l'ai dit, là ça va permettre si quelqu'un entre sur votre chaîne YouTube de voir la description. Maintenant, si ce que vous lui avez proposé lui convient, il va s'abonner. Voilà, ça aussi ça peut amener des audiences et tout ça. Maintenant, si vous voulez que vos utilisateurs aussi vous contactent, vous pouvez laisser votre adresse mail là. Moi, mon adresse mail, je vais juste le copier. Exemple là, je vais venir ici, copier. Je veux que, par exemple, si quelqu'un veut passer de la publicité, vous puisse me contacter directement via mon mail. Voilà. Maintenant, si vous voulez pas, si vous voulez être anonyme, c'est-à-dire si quelqu'un veut vous contacter, ne puisse pas me le faire là, soit. Il peut le faire bien sûr via les commentaires. Mais si vous ne voulez pas que l'utilisateur puisse vous, vos abonnés puissent vous contacter pour faire de la publicité, etc., vous pouvez l'enlever. Mais moi, je suis pas dans ça, donc je vais l'enlever pour cette chaîne YouTube. Bien vrai. Voilà. Maintenant, sur ma chaîne YouTube, si vous voulez des collaborations, n'hésitez pas à me contacter parce que j'ai mis le lien de mon compte là-bas. Donc, n'hésitez pas à aller les checker et me faire des propositions, les gars. Voilà, maintenant je vais publier si tout est OK. Ça, c'est la troisième partie, partie personnalisée. Voilà, maintenant, là, pour la troisième partie, on a pu passer vers vers niveau paramètres, ensuite personnalisé. On va revenir sur la partie la plus importante, c'est la partie monétisation. On va cliquer sur revue. Voilà, maintenant là, vous allez voir que tout est activé, sauf celui-là. On est d'accord. C'est-à-dire, celui-là, c'est ça qui va vous permettre de faire ce qu'on appelle double authentification. Et aussi, il faut cliquer sur « M'envoyer un mail » dès lors que vous remplissez, par exemple, les conditions. Maintenant, c'est quoi les conditions pour monétiser votre chaîne? Si vous voulez monétiser vos chaînes, il te faut 40 000 heures de visionnage. Ensuite, avoir 1000 abonnés. Si vous avez ces deux-là, c'est tranquille. Maintenant, si vous voulez activer aussi les shorts publics, c'est-à-dire les vidéos qui ne dépassent pas une minute ou une minute trente comme ça, maximum deux, je pense. Là, il te faut 10 millions de vues dans les 90 jours. Là, moi-même, je ne l'ai pas activé. Voilà. Donc, il va falloir avoir une audience vraiment trop active, quoi. Voilà. Mais si vous voulez vraiment gagner à partir de 1000 et 4000 heures de visionnage, ce qui n'est pas trop compliqué, vous pouvez déjà gagner de l'argent. Maintenant, moi, je vais cliquer là. Comme ça, il va m'envoyer un mail dès lors que j'accomplis les deux premiers qui sont là, c'est-à-dire avoir 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage. Voilà. Maintenant, là, je vais activer la double authentification. Voilà, et continuer. Voilà, là, il me redemande mon code, par exemple. Voilà. Bon, je me suis trompé, on dirait, ouais. Voilà, maintenant là, il me redemande encore mon numéro, ce que j'avais déjà fait. Je vais faire suivant. Je vais recevoir un message. Voilà, je l'ai reçu. Je vais mettre juste le message ici. Voilà, maintenant je vais faire suivant. Voilà, et je vais l'activer. Voilà, maintenant, tout est OK. Vous avez bien configuré votre chaîne YouTube. Et dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment faire pour publier votre première vidéo sur YouTube. Merci, c'est la fin de la vidéo, les gars. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à s'abonner. Et on se donne rendez-vous sur le prochain épisode qui va consister à montrer comment publier votre première vidéo sur YouTube.